0. LBRB. Ok, c'est ça et ça, d'accord. Oh. Ah, c'est ça, d'accord. Ah, c'est pas un Kamehameha, c'est juste il fait un. C'est un Kikoa, quoi. Attends, est-ce que je peux pas Kikoater le truc qu'il y avait derrière là-bas? Ça, genre, je peux pas le. Musashi Buritana! Mais c'est ce qu'on veut, c'est incroyable! Oh oui! Oh oui! Oh là là! Le pif! Oh oui! Qu'est-ce que je vais pouvoir crafter là du coup? Cylindre aspirant! Attire les ennemis proches. Oh, ça peut être bien ça. Ça c'est quoi? Briseur d'ondes. Ça c'est bien ça, parce que vu le nombre de fois où je fais retour rapide. On va enlever les lunettes. On va mettre le. Briseur d'ondes. Let's go. Oh, il y a encore leur cadavre. Salaud de merde. Allô? Tu m'entends? Hey, tout va bien? Ouais, j'ai trouvé Drake et Val. Ils sont aussi pénibles que d'habitude. Mais je pense qu'ils nous gêneront plus. Parfait. Je suis en train de rattraper le transchaîne. Essaie de trouver la salle des commandes. Et la cage de Saint-Ixie sera à nous. Ça marche. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces cristaux? Je te le dirai quand j'y serai. Hein? Tu peux pas me le dire tout de suite? Il est mignon. Mon dieu, mais je suis si puissant! Ah non, d'accord, je comprends ce qu'il faut faire. Eh oui! Eh oui! Putain, je commence à avoir tellement d'options là, ça y est. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je préfère me battre contre ça ou contre ça? Je préfère me battre contre lui là-bas. Allez, là tout le monde meurt. On me la fait pas, moi. Eh, mais oui, mais juste de rien. Maintenant, on va régler son compte à l'autre là-bas, là. Hop là, j'ai un peu de recharge ici. Je suis bourré. J'aime bien cette petite séance de petits plaisirs gratuits qui nous offre le jeu là. Tiens, tu peux one-shot des ennemis. C'est précis ça, le tranche-chaîne. En bonne voie. Parce que le train-train quotidien. Encore! Mais niquez-vous en fait, les machins qui volent là. Oh putain. Ah non, ok.
Mais... Ah putain, j'ai plus d'échappatoire, let's go. Ok. Putain, en plus avec tous les ennemis qui explosent en mourant là, c'est horrible. Évitez les fosses de gaz. Merci. Merci du conseil. Oh! Un Jimmy Jim. Let's go. Ouais, j'ai paniqué, j'appuie sur tous mes boutons là. Oh putain. T'es eu, Jimmy Jim. Ah, il y a des petits secrets qui se cachent là-haut. Ou des ennemis. Eh. Ah oui, j'ai très hâte de recevoir une traînée zéro. Les décors sont super beaux, hein. Qu'on se le dise. C'est lumineux, c'est vivant. Alors pourtant, putain, une ville avec de la ferraille, du gaz et... Mais regardez qui voilà. Et toutes ces conneries, tu vois, c'était... C'était pas évident d'y mettre de la vie, quoi. Je sais même plus où je suis. Ok, je suis là. Attends, je peux pas leur envoyer ça? Si je peux. Ah quand même. Et voilà, en fait, c'est la vie, ça, de les renvoyer. Je devrais faire ça tout le temps. Ah non, ok. Attends, bouge pas ma grande. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Ok. Ouais, si, c'est ça. Ah putain, les shields de ses potes. Mais... Je suis trompé de bouton. Encore trompé de bouton. Oh là, merci. D'accord, je fais comment là? Attends, what? Attends. Comment je fais là? Ah putain, ok. J'avais pas vu. D'accord. J'avais pas vu. Oh là là, qu'est-ce que ça va être? Déjà que le truc qui était pas un défi, c'était un défi, donc là maintenant le défi, ça va être quoi? Ah putain. Ils ont littéralement le combo heal tank DPS genre.
En fait, ça va. Oh putain, en plus, il y a des trucs. Attends, c'est quoi qui m'a tapé là? Ah putain, c'était la. La balle de l'autre qui revient, je. Ah, c'est auto-shield. Ok. Mais quoi? Oh là là, l'enchaînement! Bon, faut que je ferme ma gueule. Vas-y, jette-moi un truc là. Merci. Je donne l'impression que c'est facile. Non! Non, c'est pas facile. Mais ça va. Oh oui. Oh oui. Oh le bonheur. Oh oui, donne-moi plein de trucs à casser. Oh, je kiffe ça. Oh. Pff. Oh merci les gars. Oh là là, c'est ça la vraie récompense en fait. C'est pas le coffre, c'est ça. Genre deux ennemis à one shot plus des trucs à casser. Mam. C'est ça le bonheur. C'est pas votre kaléidocèle. Je suis en train de mourir de chaud. Il fait quasiment aussi chaud qu'avant-hier. Ah, c'est reparti. Pardon, la vitesse! Attends, mais comment? Mais non, mais là je peux plus du coup. Ok. Wouah! Pas que j'oublie de respirer aussi, sinon ça marche moins bien pour vivre. Non, laisse-moi le parer. Voilà, merci. Oh, je peux parer les boules de feu. Meilleur jour de ma vie. Let's go. Ah! Comment je fais ici? Merde. Ok, comme ça. Waouh, putain! Mais là je peux pas y aller en fait. Hein, il faudrait que ça j'irai à le pousser de l'autre côté. Vas-y, on va tester. Oh oui, je peux le faire d'ici. Oh oui, excellent. Tu. La coffre. Oh, j'ai eu tous les coffres du transchaîne. J'ai un succès Steam qui m'a gentiment spoilé. Oh putain. Ben non, faut pas que je fasse ça en fait.
ça va revenir, cette fois je le sais. Bah, je vous fume en fait, je vous fume. M'en fous, palu. Meha meha! Beau travail. Les points d'estre ont encore du Saint-Ixi. Mais nous avons la plupart de leurs réserves ici. Tu m'as rien dit du plan. Qu'est-ce que tu comptes faire de tout ce Saint-Ixi? Exact. Bon, ça va te paraître dingue, mais écoute-moi jusqu'au bout. Plus personne à Zone n'aura à s'inquiéter pour le Saint-Ixi, parce qu'il n'existera plus. On va tout détruire, et on va s'en servir pour détruire la plus grosse collection de cristaux Hextech par la même occasion. Pourquoi ? Nous le ferons exploser à mi-chemin entre Zone et Piltover. Ça privera les deux camps de toutes leurs munitions. Ouais. Et comme ça, ils ne seront plus en mesure de monter une armée pour faire la guerre. Ça s'entend, mais ça me semble moisi comme plan. C'est bien beau tout ça, mais... comment tu comptes faire pour éviter de blesser les gens dans l'explosion? Ça, on ne peut pas l'éviter. Mais le Saint-Ixi aura disparu pour toujours et ne pourra pas... Ça va pas marcher. Attends. T'es en train de me dire que tu m'as trimballé aux quatre coins de Zone pour empêcher les méchants de faire une arme Saint-Ixi et que tu vas en construire une pire? Je suis sûr que c'est lui le méchant de l'histoire, non, en fait. C'est Écoute du futur. Ce n'est pas une arme. C'est une manœuvre stratégique. J'arrive pas à y croire. Je vais pas te laisser partir avec ces cristaux. Oh quoi, j'aime pas te contre moi-même. Très bien. Comme tu voudras. Quoi? Putain, mais non, je croyais que c'était le boss de fin, pas le boss tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ok. Je vais revenir vers lui. Quoi? Il a le droit de faire ça? Putain, mais... putain, je peux rien esquiver. Ok. C'est vrai que tu fatigues un jour, genre frérot. Ouais, donc le truc revient vers lui. Ah, tu veux jouer à ça? Moi aussi maintenant je maîtrise le Mehameha. Ah, et par contre c'est chaud. Il déclenche des zones de dégâts comme ça, genre. Ça y est, on va faire du ping-pong maintenant. Ah, il a une image rémanente, putain. Oh, un truc qui reproduit ses actions. Va faire. Ah, oh, mais putain, what the fuck? Mais quoi? Enfin, je m'étais juste mal placé, c'est ça? Mais...
Même la musique elle a bugué genre ah putain ce combat de fou. Ah mais bordel. Merci bien. Mais bordel. Oh le combat de zinzin. Oh le paradoxe temporel quoi, je bats mon moi du futur. Détruire tout le monde. Tu dois arrêter de penser aux secondes. Pense à ce qu'elles représentent une fois. Pense plutôt au terminal. Très mauvaise blague. Je retire. Débrouille-toi tout seul. C'est pas terminé. Pas encore. Ah. Comment j'explique à mes amis que le moi du futur compte faire exploser une bombe de Saint-Xi dans la ville? Bah comme ça. Je peux pas leur parler d'écho du futur. Pourquoi pas? Mais pourquoi? Bah non. Je suis content de te voir. Pardonnez-moi, monsieur. C'est quoi ce syndrome du perso principal, genre? C'est à propos de ces gamins qui ont essayé de voler mes marchandises, les Inks. Ils ont transporté de grosses caisses jusqu'au vieux théâtre Fenlox. Je crois qu'ils préparent un mauvais coup. D'accord, j'irai voir. Ça va, Echo? Quelque chose te tracasse? Non, non. En fait, j'ai fait quelque chose qui a rendu quelqu'un furieux. Et moi aussi, je suis furieux. Mais je sais pas comment arranger les choses. Il est facile de s'en vouloir quand des gens sont blessés. Mais ça ne fait que nous blesser aussi et personne ne peut plus aider personne. C'est ce qui m'a poussé à venir à Zone au départ. J'avais besoin de recommencer de zéro, de gagner de l'argent. Un jour, je pourrai partir chercher mon Oriana. J'ai aussi des choses à me faire. C'est vrai que c'est le père d'Oriana, lui. Votre fille a de la chance de vous avoir. Salut, Echo. Echo, mais comment fais-tu? Il faudrait que je reprenne ma couleur de base. J'aime pas trop ce skin. Ouais. T'as déjà rencontré quelqu'un qui voit les choses complètement de travers? Bien sûr. Quand j'étais encore apprentie costumière au vieux théâtre Fenlox, il y avait cet horrible chorégraphe qui ne voulait pas utiliser de matériaux synthétiques pour les danseurs. Incompréhensible. Ouais, un truc dans le genre. Et qu'est-ce que t'as fait alors? Je me suis battue pour ce qui me semblait juste. Et je n'étais pas la seule à penser comme ça. Je suis heureux que ça ait marché pour toi. Quoi que ce soit, Echo, ton instinct est sans doute juste. Merci, Ellie. Je sais que les jumeaux sont pas cool, mais ils ont du style. Toutes les meilleures tendances viennent de Saul. Ah voilà, ça c'est le chroma de base. Attends. Ouais, c'est là, c'est celui que j'avais avant. Oh! Echo Dr. Mundo! Incroyable! Wouah! Echo et des ténèbres! Non, mais le skin de base, c'est très bien. Hop, donne-moi une nouvelle traînée, s'il te plaît. Et voilà. Ah non, attends, il y en avait une autre que... Ah oui, en fait, il y en a plein d'autres. J'en ai donné littéralement aucune. Sympa, le style. Un bon style montre au monde qui on est. Alors, qui es-tu? Y a pas de mal à ajouter un peu de texture. On voit pas les changements, là, par contre. Ah non, mais c'est juste moi quand j'avance. C'est pas mon double, d'accord.
Très bien. Oui, très bien. Attends, je me pensais à un truc. Je me pensais à un truc giga important. Ah bah non, en fait. Ah non, je suis con, bah oui, c'était là. Ah putain, bah dans ma tête, c'était un... Je voulais, en fait, je voulais revenir ici, parce que j'ai oublié que j'étais arrivé de par là. Ouais, bref, je me suis embrouillé. Tout va bien se passer. Voilà. Oh, par contre, les combats, ils sont... Ils commencent à être vifs, genre. T'as vraiment pas le droit à l'erreur. Ah, salut, ça faisait longtemps. Bah pourquoi tu fais cette tête? J'ai seulement une journée bizarre. Comment se passe la tienne? J'étais en train d'aller au spectacle des Inks. Tu devrais carrément venir. La magie des Inks. J'ai pas vraiment envie de sortir aujourd'hui. T'auras besoin de parler à personne. La musique va être géniale. Je sais pas. Est-ce que c'est à cause de Chad? Je te promets que tu le verras à peine. Il sera trop occupé à regarder ce spectacle. Bon, d'accord. Génial. Tu vas voir, on va s'éclater. Je t'attends à l'extérieur du théâtre. Viens me voir quand t'es prêt. Ego, écoute ça. Si je mettais un moteur dans la patte de Trevor, il serait le plus rapide de zone. Il pourrait battre tous les animaux. C'est mignon, mais le faire courir plus vite s'il est pas prêt, ça va fatiguer son cœur. Ça pourrait le blesser. C'est une bonne remarque. En plus, regarde comme il a l'air heureux avec toi. Bah oui. Je crois qu'il veut juste rester à tes côtés. Je sais, il pète quand il est content. Ouais, ça sent qu'il est très content. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut le pète? Justement, est-ce qu'on peut pète ce dog? Apparemment pas. Je peux rien faire d'autre la dernière fois. Voilà, j'ai pas eu tant de thunes que ça. Merde. Maintenant que tu le dis, j'en ai vu quelques-unes en ville. Qu'est-ce que c'est? C'est une mauvaise nouvelle. Fais attention si tu dois y faire face. D'accord. Ça va? T'as l'air secoué. Ouais. Ouais, je m'en sortirai. Je dois m'étirer un peu plus, c'est tout. Attention à tes articulations, mec. C'est toi qui vois. Ouais, je sais. C'est bon, t'es au bon endroit. Alors. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est giga cool. C'est pas trop mal. Moi qui aime trop faire des parades. Axe. Tu sais presque tout de ce qui se passe. Ah, il l'appelle Axe. Lequel des points d'astre est le pire d'après toi? Plus t'en mets, plus t'en as. Zarkon est le plus affairé et il doit pas avoir beaucoup d'amis, même à Zone. Mais il y a les jumeaux. Ils passent plus de temps à Piltover que n'importe qui d'autre, mais ils représentent le pire de chaque ville. Ça me surprend pas. Le nom des points d'Estre est tombé en disgrâce au fil des ans. Je sais pas ce que ça dit sur l'état de Zone. Hé, hey, oublie pas que l'âme de cette ville, c'est nous, pas eux. On se voit plus tard. Ça... manque pas d'histoire sur les jumeaux. Y a une histoire là-dessus. Tu sais, Zone a beaucoup de secrets. Zone a beaucoup de secrets. Faut que j'amène un truc ici, non? Et je peux pas grimper jusque là. Oh. On verra bien. Eh, hey, attends, il y a un coffre, c'est le mien. Ah, ça c'est mon coffre, ça je reconnais.
ça c'est un truc pour flemmard, ça je reconnais. Merci. Je sais plus qu'est-ce qui explose et qu'est-ce qui explose pas. Ça me stresse. Mais... Tu te fous de ma gueule? Voilà. Tu. C'est absolument pas ce que je voulais faire. Let's go. Attends, mais j'étais déjà venu ici. Ah, faut croire que ouais. Ça va être en fin de mission, je pense. C'est ici qu'il fallait que j'aille? Attends, pourquoi il y a l'ancien écho ici, genre? What the fuck? Mais je vais te taper! Oh! Serait-ce une faille dans le scénario? Merde. Bon. Je suis con, je vais pas m'emmerder, je vais faire ça. Pouf. Mais pourquoi je pouvais pas aller de l'autre côté déjà? Est-ce qu'il faut que j'envoie un Mehameha? Ah bah non. Oh, ça par contre... Faut pas me faire des trucs comme ça. Ah, excellent, il y a un truc que je peux pousser là-dessus. Allez, let's go. Oui. Voilà. Une énigme peut en cacher une autre. Let's go. Tu. Du coup, j'ai tout fait ici. Non, il manque le truc qui est là-bas. Par contre, à moins de pouvoir voler, comment? D'accord, c'est bien ce qui me semblait. Il y a un truc à faire là, non? Je sais pas. C'est où le théâtre? Ah oui, c'est vrai que c'est là-haut. Je m'en rappelle à présent. Ça me bute qu'on ait trouvé Echo, enfin le Echo du futur. Je pense qu'il y a un truc à faire avec, mais dans d'autres circonstances. Non, je suis pas bon étage. Ah oui, non, carrément pas. Hop là, ça c'est à moi. J'aime vraiment beaucoup ce thème.